Bonjour, bienvenue sur Télégoël. En ce week-end d'ascension, nous sommes le vendredi 14 mai. Tout de suite, le sommaire de ce journal. L'Arena Stade Couvert de Liévin se transforme en vaccinodrome XXL. Le PIMS Médiation Artois Goël présente le bus France Service. Des élèves de l'école de la deuxième chance de Liévin se forment à la pâtisserie. Une sensibilisation à la langue allemande au collège Henri Wallon de Méricourt. Notre coup de loupe, nous avons passé une journée de garde chez les sapeurs-pompiers de Liévin. Mais tout de suite, une coopération officialisée entre la police nationale et la police municipale de Lens. Ce lundi 10 mai s'est tenue à la salle Richard de Lens la signature de la convention de coordination de la police municipale. Avec l'arrivée des nouveaux agents le 1er juin, la police municipale de Lens se met en place et pourra donc commencer à travailler efficacement en collaboration avec la police nationale. Alors nous on sera vraiment sur de la police de tranquillité du quotidien, c'est vraiment les nuisances ou les difficultés du quotidien, de voisinage, qu'on puisse intervenir là, concrètement et rapidement, là où la police aujourd'hui avec l'ensemble de ses compétences et la diversification de ses métiers n'a pas forcément toujours les moyens pour intervenir, donc on complète à ce niveau-là pour répondre rapidement et surtout en proximité à la population. Une volonté de la circonscription de la sécurité publique de Lens qui souhaite lutter efficacement contre les différentes délinquances qui sévissent sur la ville. Cette menace, eh bien, il faut pouvoir y répondre efficacement. C'est ce qu'attend la population de cette ville, cette circonscription. Et donc l'objectif à atteindre, encore une fois, c'est de faire reculer cette délinquance, chacun dans ses missions, police nationale et municipale, et de faire en sorte que le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, puisse témoigner, faire la démonstration de l'efficacité de cette coopération renforcée, donc qui suppose que sur le plan opérationnel, les échanges d'informations, les horaires de travail, les faits signalés, l'exploitation qui en est faite, eh bien, débouche sur l'affaiblissement des réseaux de délinquance qui se trouvent dans cette ville, dans cette agglomération, et contre lesquels il faut lutter constamment. L'important, c'est de ne pas baisser la garde, et donc une signature comme celle-là a surtout pour intérêt de témoigner auprès de ceux qui font vivre ces réseaux, que non seulement on ne baisse pas la garde, et qu'en plus, la peur va changer de camp. Le 1er juillet, les effectifs de la police municipale seront renforcés, de quoi rassurer la population lensoise. Ils sont venus nombreux à l'Arena Stade Couvert de Liévin, mais ce n'est pas pour assister à une compétition sportive, mais bien pour se faire vacciner. En effet, depuis samedi dernier, et ce, tous les week-ends, de 8h à 22h, ce monument du sport est devenu un vaccinodrome grâce au service départemental d'incendie et de secours qui a mis tout son savoir logistique pour réaliser ce projet. Alors effectivement, il nous a fallu concevoir cette organisation à la fois sur le plan de la disposition des différents postes pour accueillir le public, mais aussi préparé d'un point de vue logistique. Et c'est ça que le travail qui a été mené avec la direction de l'Arena a permis, parce que cette infrastructure, en termes de place, en termes de tout ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement, est présent dans cet établissement. Et c'est vraiment l'idéal pour organiser ce type de grand centre de vaccination. Eh ben, on ne peut que se féliciter que le bassin minier, qui est fortement peuplé, bénéficie de plusieurs centres de vaccination et que le centre de l'Arena de Liévin avec les pompiers vienne renforcer cette capacité de vaccination, notamment dans une période où on va ouvrir la vaccination aux 18-50 ans. Une augmentation de personnes vaccinables qui implique un grand nombre de personnels pour administrer les 1500 doses jour, qui est l'objectif du SDIS. Nous avons un créneau, une amplitude horaire de 14 heures. Et on a découpé la journée en 2 fois 7 heures. Et sur chaque session de 7 heures, il y a 41 personnes, entre l'accueil de secrétariat, les infirmiers, les médecins, ceux qui accompagnent dans les zones de repos. Donc il y a 41 personnes qui accueillent le public. Donc 2 fois 41, ce qui fait plus de 80 personnes mobilisées sur la journée. Une mobilisation et une organisation offrant un maximum d'efficacité pour ces futurs vaccinés ayant différentes motivations. Je suis issu à travailler à l'étranger, beaucoup à l'étranger, du coup c'est pour ça que je me fais vacciner. Alors c'est pour essayer d'avoir un petit peu plus de liberté et puis protéger, si tout le monde se vaccine, on protège un maximum de monde. C'est principalement pour ça, hein, pour
mes parents aussi, hein, pour la famille, pour les amis, pour qu'on puisse revivre normalement. Je pense qu'on devra tous le faire, hein, pour pouvoir sortir, pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir aller en salle de concert. Je pense que tout le monde devra le faire. Ce sera peut-être obligatoire. Obligatoire ou pas, se faire vacciner à l'aréna est l'occasion de fouler la piste de ce haut lieu de la compétition sportive et de ressentir, comme un champion, une sensation de victoire sur le virus. Récemment labellisé France Service, le PIMS Médiation Artois Goël, véritable lieu d'écoute et d'accueil qui accompagne les personnes dans leurs démarches administratives du quotidien, gratuitement et sans condition de ressources, vient d'inaugurer dernièrement son bus France Service. Un dispositif qui va sillonner les communes du territoire des agglomérations de Lens-Liévin et d'Hénin-Carvin pour permettre notamment de renforcer l'accès aux différents services publics. On a déjà un plateau d'accueil à Lens qui fonctionne très très bien et qui est ouvert depuis maintenant 8 ans. Sauf qu'on s'est aperçu que les personnes et les habitants souffraient encore d'un problème de mobilité et que du coup il était extrêmement important de pouvoir les accompagner et aller vers eux et ne pas juste les recevoir et les accueillir, mais être aussi en capacité de mailler un peu plus le territoire et de pouvoir aller à la rencontre de ces habitants pour les accompagner dans leurs démarches administratives. On a quand même une population sur certains territoires qui est vieillissante et qui a du mal à se déplacer. Donc là, c'est vrai que c'est une population qui ne peut pas être aidée et qui a difficilement accès aux démarches. Donc là, c'est un vrai accompagnement qu'on met et le aller vers a vraiment beaucoup de sens. On peut à la fois y faire une démarche pour la NTS, mais on peut aussi s'occuper des impôts, on peut sortir une attestation de la CAF, on peut faire sa déclaration trimestrielle de Pôle emploi. C'est un endroit où, du coup, en effet, on est en capacité de mutualiser un petit peu ces démarches. Et c'est vrai que c'est un gain de temps, notamment sur un territoire où parfois la mobilité est un vrai frein. Et le bus France Service, qui peut aussi vous sensibiliser et vous former à l'outil numérique, sera le 18 mai après-midi à Villers-sur-Bois, le 19 au matin à Guisservin et le 20 mai après-midi à Aix-Noulette. Pour plus de renseignements sur les autres dates de permanence, n'hésitez pas à vous rapprocher auprès de vos communes. L'espace d'accueil PIMS Média Artois Goël, situé à Lens, 49 place du Général de Gaulle, reste également à votre disposition pour tout type d'accompagnement du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Tu laisses remonter le lait, tu le laisses bien chauffer. Ici, tu détends ton lait avec tes œufs, ton sucre. Une dizaine d'élèves de l'école de la deuxième chance de Liévin se forment à la pâtisserie depuis un mois. Sous les conseils d'Olivier, chef de cuisine, il réalise différentes recettes au sein de l'école hôtelière d'Arras. Là aujourd'hui, on est sur des madeleines, sur des financiers, sur des bases de glace, sorbet, crème glacée. On fait quelques chocolats enrobés d'un nappage chocolat blanc Valrhona avec des noisettes torréfiées. On leur montre les techniques professionnelles, le matériel et c'est un bon démarrage pour eux. Ils sont vraiment sur de bons rails. Là. Tous participent au programme Graines de pâtissier qui mêle sur 4 mois des jours d'activité à l'école et de l'apprentissage directement sur le terrain. Le but, se réintégrer grâce au monde professionnel. Alors là, c'est un parcours bien spécifique de l'E2C, puisque normalement, les jeunes, quand ils rentrent chez nous, n'ont pas forcément d'orientation professionnelle. Là, c'est un projet qu'on travaille avec Valrhona, donc la Fondation Valrhona, et qui, là, fait appel à des futurs pâtissiers. Donc, c'est des jeunes qui n'ont pas forcément confirmé leur projet en pâtisserie, mais qui ont vraiment envie de découvrir. Et ça leur permet, donc, pendant ce parcours, de découvrir par le biais des ateliers laboratoires vraiment pratiques et chez nous de travailler la remise à niveau, la découverte du métier, etc. Une cinquantaine de gestes techniques seront transmis avec pour ingrédient principal des recettes le chocolat Valrhona. Mais certaines n'en nécessitent pas. C'est le cas du sorbet à la framboise dont s'est occupée Tiffany, 18 ans, et passionnée de cuisine gourmande. J'ai appris certaines fabrications de pâtisserie, de sorbet comme tout ce que je suis en train de faire. Aussi le travail un peu manuel, genre un peu en autonomie. Et ça c'est surtout à Beaudimont et à l'E2C on travaille surtout les soft skills, donc les compétences personnelles. Et ça m'aide beaucoup. Bon, le sorbet, comment ça se passe là pour l'instant? Franchement ça se passe bien, bon, un peu dur à récupérer sur les bords mais je l'ai goûté tout à l'heure, il est super bon.
Ces apprentis créateurs de douceur suivront bientôt un stage avec pour objectif une alternance en entreprise afin de décrocher le CAP de pâtissier dans 2 ans. Mais l'école de la deuxième chance de Liévin dirige aussi les élèves de l'agglomération vers d'autres formations. Pour les connaître, rendez-vous sur leur site e2c-artois.fr. L'établissement accueille gratuitement des élèves de 16 à 27 ans. Vendredi 7 mai dernier, des élèves du collège Henri Wallon de Méricourt ont participé au dispositif MobiClass. Durant 1 heure, une intervenante originaire de Cologne est venue leur présenter sa langue ainsi que sa culture pour leur donner envie d'apprendre l'allemand l'an prochain. C'est un dispositif de l'Office franco-allemand pour la jeunesse et du Goethe-Institut. Et on va dans les écoles, notamment en 6e, pour montrer aux élèves l'allemand, pour faire une petite initiation de 1 heure à l'allemand, pour que quand ils vont devoir choisir leur deuxième langue à la fin de l'année, ils ont une idée à quoi ressemble l'allemand, parce que parfois on peut avoir des préjugés ou des préconçus, et nous on est là pour, voilà, on vient d'Allemagne pour montrer que c'est pas si difficile que c'est abordable. Et d'ailleurs en Allemagne il y a le même dispositif pour montrer le français aux élèves allemands. À partir d'activités ludiques, les collégiens ont découvert qu'ils connaissaient déjà certains éléments du pays, et que la langue est en fait plus accessible qu'il ne pouvait le penser. Donc on fait un petit jeu pour se présenter, dire son nom, où on habite, nos loisirs, nos activités, ce qu'on aime manger. Il y a d'autres activités, on essaye de deviner des mots qui sont transparents, qui se ressemblent avec l'anglais ou le français, et comme ça on voit que la langue allemande n'est pas si étrangère que ça. Grâce à la venue de Laura Breusch et cette séance de sensibilisation à la langue allemande, la première barrière semble franchie. Les élèves ont pu dépasser leurs appréhensions et auront 1 semaine pour décider du choix de la 2e langue qu'ils pratiqueront l'an prochain en 5e. En général, l'initiation, ça plaît toujours beaucoup aux élèves parce que c'est sous forme de jeu. Donc évidemment, ça fait plaisir de pouvoir jouer un peu à l'école. Mais même après, on a des retours des profs qui nous disent qu'effectivement, il y a des élèves qui à la suite de l'animation, ils ont voulu choisir allemand. Donc, on espère que par ce dispositif, on aidera à continuer à apprendre l'allemand et le français, parce que c'est quand même, il y a un lien fort entre la France et l'Allemagne. Et donc, il faudrait continuer à apprendre la langue du partenaire. Commune de Liévin, au poste de police, au départ, Ralep, Piosco, Sorotienko. Ils sont les premiers à intervenir sur tous les accidents du quotidien. Télégoël vous fait découvrir l'envers du décor, une garde chez les pompiers de Liévin. Chaque matin, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires de Liévin se rassemblent pour le déroulement de la journée. C'est l'affectation des piquets, attribution des véhicules pour être prêts à partir en intervention à tout moment. Là, on fait la vérification du matériel. Chaque garde, on doit vérifier le matériel où est-ce qu'on est affecté. Comme aujourd'hui, je suis affecté au VSAV, donc je vais vérifier l'ensemble du matériel qui se trouve dans la cabine et aussi dans la cellule. Chaque véhicule est méticuleusement inspecté. Véhicule de secours et d'assistance aux victimes, mais aussi grande échelle, ou encore fourgon ponton. On est centre de secours support avec des véhicules spécialisés. On a nos véhicules qui interviennent le plus fréquemment
ce qu'on appelle des VSAV, hein, c'est les ambulances rouges que l'on voit souvent dans la rue. Après, on a deux véhicules fourgons incendie, c'est les gros véhicules avec les, vous voyez, les deux dévidoirs, ce qu'on peut appeler des bobines pour les gens novices. Et après, on a des véhicules spécialisés, le véhicule qui est juste derrière vous, le fourgon mousse grande puissance, qui est un véhicule spécialisé pour tout ce qui est feu de liquide inflammable, tels que les feux d'hydrocarbures ou les feux d'alcool. Et après, on a un véhicule qui est derrière moi, un véhicule pour les interventions en risque en milieu périlleux, dans lequel on retrouve des moyens de cordage pour intervenir sur des interventions un peu particulières. Tous les jours, les pompiers de la caserne entretiennent leurs conditions physiques. Mais ce matin, ce sont les ICP, indicateurs de conditions physiques. Course à pied, pompe, kili ou encore gainage. Réalisés deux fois par an, ils permettent un suivi régulier. On a quand même des agrès sur le fourgon ponton, le fourgon incendie, qui sont assez lourds, notamment l'échelle. Après, l'échelle, il faut savoir la dresser. L'échelle accrochée, il faut savoir la monter. Donc, quand on monte une échelle accrochée, on a quand même une traction. Donc, au niveau de la force des bras, il faut quand même avoir un minimum pour pouvoir progresser sur cette échelle et peut-être aller faire des sauvetages. Et notre mission, quand même, c'est le sauvetage. Hein, en incendie, je veux dire, la priorité, c'est le sauvetage. Et il faut qu'on sache le faire. Et il n'est pas question qu'un sapeur-pompier reste en bas de l'échelle parce qu'il n'a pas la condition physique de monter. Quoi. Donc voilà, on a quand même des vies entre nos mains et on peut pas jouer avec ça. Rassemblement, les sapeurs-pompiers effectuent l'entretien de la caserne dans différents services. La garde peut être de 12 heures ou de 24 heures. Chaque équipe vit en communauté. Le déroulement de la garde est interrompu par les interventions. Chaque départ est annoncé. Les sapeurs-pompiers partent en moins de 3 minutes. À l'accueil, c'est Stéphane qui centralise les demandes d'intervention. Donc, le ticket apparaît. Donc, moi, ce que je fais, je prends la feuille. J'annonce au micro l'intervention, comme j'ai expliqué, la nature de l'intervention, l'adresse, le personnel et le véhicule. Ensuite, le chef d'agré vient récupérer sa feuille, je lui donne, et après, je fais la main courante sur le cahier, et en même temps, je fais la synoptique sur l'ordinateur. La majorité de nos interventions, que ce soit sur le secteur de Liévin ou secteur départemental ou national, hein, sur le secteur de Liévin, on est à plus de 85% d'activité sur du secours à personne, donc il reste vraiment pas beaucoup de place pour l'incendie. Hein. L'incendie, les soldats du feu ont fait que 6 à 7% d'intervention liée aux incendies. Une fois la pause de midi effectuée, les sapeurs-pompiers se doivent de maintenir leurs acquis et en profitent pour effectuer des manœuvres comme l'utilisation de véhicules spécialisés, ici le FMOGP, fourgon mousse grande puissance. Donc là, on vient de mettre en œuvre une lance-canon avec le FMOGP, donc c'est une lance-canon plus puissante, plus grosse, qui envoie beaucoup plus d'eau. Donc il y a une méthode bien spécifique à la mettre en place, comme vous l'avez pu le voir, en faisant un cœur avec les tuyaux pour bien maintenir la lance-canon, car elle fait énormément de poids, il y a beaucoup de pression. Et ensuite de bien orienter au feu pour qu'il soit le plus efficace possible et pour envoyer énormément d'eau pour éteindre des gros feux, par exemple industriels, etc., des gros feux de palette, où ils ont besoin de beaucoup d'eau. Et c'est dans une grande capacité avec beaucoup de pouvoir calorifique qui fait que ça est plutôt très efficace. À 16h, le travail dans la caserne où les séances sportives reprennent jusqu'à la fin du service à 18h. La garde se terminera le lendemain matin à 7h30 pour laisser place à une seconde équipe. Depuis le début de l'année, le centre de secours de Liévin a effectué plus de 1 800 interventions. Elles sont au nombre de 43 000 depuis janvier dans le Pas-de-Calais.